Alors, nous avons créé une courroie sous Fusion 360. J'imprimerai par la suite en PLA flexible. Donc, on commence par sélectionner la vue. On va faire une courroie crantée. Donc, faire un triangle. Va faire une ligne mais qui ne sera pas tracée. Et là, du coup, on va faire les vraies lignes. Je sais pas pourquoi, mon Fusion 360 a des bugs. Donc là, ouais, c'est pas un triangle, c'est Donc là, si on regarde, comme ça. On va se mettre. Et maintenant, on va esquisse. Les esquisses. Et là, ce qu'il nous faut, c'est se mettre sur le côté droit ou gauche. Je dis qui fonctionne mal. Elle me vient l'esquisse. Je sais pas pourquoi. Et là, on va faire essayer de faire le plus grand possible. Voilà. 46 cm, ça fait beaucoup. On va mettre 100. Donc là, on a la traxe. N'occupez pas du plateau, on l'a vu. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le trapèze, faire balayage, sélectionner le chemin. Donc là, on a notre courroie. Alors, effectivement, on va la remonter. Corps, on sélectionne le corps, on appuie sur M, on touche M du clavier et puis on le remonte. Là, si on va à droite, on voit bien qu'il est au-dessus. Ok, maintenant on va faire les écrans. Voilà, tout simple. Alors par contre, il y a une vue qui fait que dans les effets, je crois. Déjà l'anticrénelage, je vais le mettre.
En fait, je veux pas avoir l'épaisseur parce que je suis de face. Je suis sur la droite. Je ne pas l'avoir. Je reste. Se mettre comme ça. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on. Vous voyez, si je suis pas droit, je vois l'eau. Donc là, on fait ça. Et c'est le problème, c'est qu'il ne met pas la vue dessus. Pourtant, je l'ai réinstallé Fusion, mais c'est bon quoi. J'arrive pas à trouver la solution. Donc là, donc, on veut faire l'écran. On va faire. Là, ce coup-ci, on fait un triangle. Dans ce sens-là. Vider des lignes. Je vais bouger la ligne pour avoir un triangle. Donc là, je vais faire de telle sorte à ce qu'il dépasse. Donc là, le triangle, ben, je vais l'extruder. Comme ça, j'appuie sur E pour extruder. Alors je le fais assez grand des deux côtés. Là, je veux pas le couper, je veux faire un nouveau corps. Ok. Alors ces deux corps distincts. Ensuite, on va multiplier. C'est ça le problème. Ça devient pénible. Sais plus si c'est encore. Voilà, peut-être ça. C'est qu'il y a un problème avec la caméra. Je vais rester en octogone. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on sélectionne le corps. On fait réseau circulaire. On sélectionne max, donc interne. Et puis là, bon, on augmente. Jusqu'à temps d'avoir à peu près. C'est là où c'est chiant. Voilà. J'essaie de faire comme ça. Là, je règle le problème. Assez doigt que ça touche là. Là. Verrai mieux là. Pas qu'il y ait trop. Voilà. Là, on fait OK. Donc là, on se retrouve avec ça. Une petite
Magnitude de triangle, je vais à 47, je crois. Donc là, on peut voir qu'il y a, voilà, 47. Juste le premier corps, ça fait 48. Donc maintenant, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va combiner. On sélectionne le corps cible qui va être découpé. Et les armatures, alors au lieu de les sélectionner un par un, vous sélectionnez corps 2. Vous appuyez sur Shift. Corps 48, alors là il est en joindre. Moi ce que je veux c'est couper. Et je ne veux plus conserver les outils, c'est-à-dire je ne veux plus conserver les triangles dans les objets. Et là, je fais ça. Donc ça va mettre un petit peu de temps, mais ça n'a carrément pas marché. Ça a marché. Le cible. Ah oui, non, je voulais pas conserver les outils, justement, si ça a dû fonctionner. Voilà. Et donc là, ben, vous avez votre courroie qui est faite. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est l'allonger. Extrusion. Sélectionnez la face droite. Et il n'en veut pas. Après, si vous voulez l'allonger, comme l'explosion ne fonctionne pas, il faut faire échelle. Alors, uniforme. Vous pouvez vous amuser. Vous la faites plus petite. Mettre une texture. ABS blanc, on change, sélectionne la bonne couleur, noir c'est 4 fois 3 fois 0, et puis là on fait ça, terminé, on va sur le rendu, et vous avez votre courbe. Après, c'est une courroie ronde. Si vous faites une courroie ovale, courroie ronde. Ben, si vous voulez faire une courroie ovale, c'est facile. On a les esquisses. On prend la première esquisse. Un ovale. Là, si je fais ça. Normalement, ça va fonctionner. Extrusion. Faut jouer avec les esquisses. Ça, voilà.
pas assez. Mais bon. Si vous voulez faire haute que rond, c'est possible.